C'est faux. C'est faux. C'est faux. Oui, c'est faux ici, mais pas pour longtemps. Donc faux. C'est acté depuis quelques jours, Faux changera de nom au 1er janvier. Ces rues seront celles de Faux en Périgord. C'est parfait parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Faux. Quand on regardait sur les GPS, il y a beaucoup de Faux. Donc quelquefois, quand on cherche sur une carte, on ne sait pas trop. Faux en Périgord, oui, c'est pas mal. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Faux, c'était très bien, mais Faux en Périgord, nous sommes en Périgord, donc je trouve que ça va très bien. Un changement bénéfique surtout pour ces agents administratifs de la commune. Mairie de Faux, bonjour. Pour correspondre avec la mairie, l'adresse mail a changé. faux24.mairie@wanadoo.fr. Pour l'adresse mail, on est obligé de mettre faux24.mairie. Parce que si on met faux.mairie, on n'existe pas. Autre problème pour ceux qui souhaitent construire sur Faux. Si vous alliez chercher Faux, concrètement sur la plateforme, quand vous cherchiez la commune, elle n'apparaissait pas du tout. Pour le maire, c'est l'aboutissement de plus d'un an de procédure pour devenir Faux en Périgord. Le fait de pouvoir rajouter en Périgord, ça permet de bien identifier Faux par rapport aux autres communes qui ont le même nom. Parce que l'image du Périgord est quand même très positive, donc autant en profiter dans cette démarche-là. Nouveau logo, nouveau panneau, tout est prêt pour 2025.